Bonjour les amis, c'est Guillaume. Je lance cette nouvelle chaîne YouTube Hermès Artifex avec un premier petit let's play sur un jeu très simple. Un jeu qui a beaucoup de défauts, mais qui fait passer le temps. Un jeu de simulation, Démocratie 3. Alors le but de ce jeu, c'est de prendre les manettes d'un pays et puis de faire de son mieux, hein. Donc c'est un jeu sur lequel j'ai fait quelques parties. Jusqu'à présent, j'ai toujours été plutôt à gauche et ils disent que je suis libéral. Moi, je me vois plus comme conservateur, en tout cas comme plutôt protectionniste, colbertiste. Alors ça m'a étonné de voir le côté libéral d'indiquer. La musique est super forte, alors je vais la laisser pour moi en tout cas, pas pour vous. Voilà. Parce que ça fait musique pleine d'espoir alors que je suis en train de naviguer sur le menu du jeu, ça ne veut strictement rien dire. Bon, j'en étais où? J'en étais au fait qu'on allait faire un nouveau jeu dans Démocratie 3. Donc un jeu qui a beaucoup de défauts, notamment, je vais les lister au fur et à mesure que je joue. C'est un jeu sur lequel j'ai fait que 4 parties jusqu'à présent, donc je le maîtrise très mal, sûrement pour ceux qui ont l'habitude d'y jouer, vous allez râler en voyant jouer. Après, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui y joue. Hop, c'est parti. Donc, je vais choisir la France parce que, après tout, je m'adresse soit à des Français, quoique je pourrais choisir. Il n'y a pas le Québec par hasard aussi pour une autre partie? Non, Canada. Non, bah, peut-être qu'une fois je le ferai avec le Canada, mais pour l'instant, je vais faire avec la France. Je compte faire 4 épisodes, puisqu'en réalité, une partie se déroule en 2 mandats de 5 ans. Et je vais diviser chaque mandat par 2. Voilà. Donc, une première saison, si j'ose dire, de 4 épisodes. Débute dès maintenant. Donc la France, qui est une république semi-présidentielle. Alors déjà, on peut en dire beaucoup, hein, parce que semi-présidentielle, elle est présidentielle avec un système parlementaire, mais elle est plus que semi-présidentielle, hein, elle est aux 2/3 présidentielle, hein, facile. C'est le plus grand pays d'Europe de l'Ouest, célébré comme le pays le plus visité du monde et détenteur d'un des meilleurs systèmes de soins d'après un rapport de l'OMS. C'est aussi le 5e pays en termes de budget militaire et le 3e en puissance nucléaire. Il est membre de l'ONU et il possède un siège permanent au Conseil de sécurité. Il est également membre du G8, de l'OTAN et de l'OCDE, ainsi que de l'OMC. Alors, tout le problème de jeu d'ailleurs, vous allez voir, c'est qu'en termes de politique étrangère, on ne peut pas décider d'imprimer soi-même sa propre monnaie. On est obligé d'emprunter à des banques privées, donc on est obligé de respecter la loi de 73, D'aucuns diront que c'est à cause de la loi de 73 qu'on est obligé d'emprunter auprès des banques privées, d'autres disent que non. Il y a tout un débat là-dessus. Au même titre, on est obligé de rester dans l'Union Européenne. Il n'y a pas de solution pour en sortir. Non pas qu'il faille à tout prix en sortir, je ne vais pas là lancer le débat, après tout on pourrait y réfléchir. Mais c'est dommage de ne pas avoir des possibilités personnalisées dans le jeu. Allez, je continue, je clique sur « Jouer ». Donc, durée du mandat en année, 5 ans. Avec 2 maximum. Alors, pour cette première partie, je vais pas mettre de catastrophe naturelle et je vais laisser tout ça à peu près au même stade. Et puis pour les autres parties, je modifierai. Alors, en ce qui concerne les parties politiques et non pas les parties de jeu, alors j'ai en profité pour faire la promo d'un parti peu connu, Union Populaire et Républicaine. Putain, le E avec accent, ça marche pas. Et Républicaine. Voilà. UPR. Contre le PMU. PMU. Parti. Maastrichtien unifié. PMU. Qu'est-ce que l'UPR? L'UPR est un parti de 10 000 adhérents à l'heure où je parle, qui est pour la triple sortie, à savoir OTAN, pour récupérer notre indépendance militaire, hein, essentiellement, c'est-à-dire qu'on cesse d'aller faire des guerres illégales et qui ne respectent pas les traités internationaux et qui sont sous la tutelle des États-Unis. Il veut aussi quitter l'Union Européenne ainsi que l'euro pour récupérer les manettes de la souveraineté. Quelle différence avec le FN? L'UPR dit que le FN n'est pas pour la sortie de l'UE ni de l'euro, d'ailleurs à aucun moment c'est dans la profession de foi. L'UPR nous explique en revanche en quoi le FN est plutôt un parti complice et finalement
très atlantiste et en plus de ça, c'est un parti xénophobe, ça, là-dessus, on va pas s'étendre. En partie de l'opposition, à l'UPR, du coup, je m'amuse à parler de PMU, le Parti Maastrichtien Unifié. Alors, le traité de Maastricht, c'est l'un des traités qui a mis en place l'Union Européenne hein, et qui a validé la mise en place de la monnaie unique, l'euro. Le Parti Maastrichtien Unifié, c'est une blague de Pierre-Yves Rougeron, je crois, pour désigner une alliance du Parti Socialiste, de l'UMP, de l'UDI, d'Europe Écologie Les Verts, du PRG, etc. Bref, tous les partis qui sont dans la dynamique mondialiste. Voilà, le PMU. C'est assez amusant comme jeu de mots. Allez, assez parlé. Ça fait 5 minutes que la vidéo est lancée et j'ai toujours pas, même 6 minutes, et j'ai toujours pas lancé la partie. Donc c'est parti pour la première partie de mandat. Oula, ça fait beaucoup de parties. Quelle belle musique. Allez, ça lance là-bas le jeu. Hop, cliquez pour retourner au gouvernement. Très bien. Alors, félicitations pour votre victoire électorale. Bienvenue à votre nouveau poste en tant que président président. La vie de tous les citoyens est maintenant entre vos mains. Comme vous pouvez vous en douter, il y a un certain nombre de problèmes à régler dès que possible en surveillant la satisfaction et la qualité de vie de vos citoyens. De plus, n'oubliez pas que les prochaines élections sont dans 5 ans. Faites en sorte d'avoir la meilleure popularité possible et un maximum de membres de votre parti en votre faveur pour vos prochaines élections. Bon courage. Bien, très bien. Alors, eh bien, je vais lancer le mandat. Il faut savoir donc que le but de ce jeu est plus de se faire réélire que d'avoir un bon bilan. Finalement, là-dessus, le jeu est assez réaliste. Cependant, ce jeu ne correspond pas du tout à la structure politique de la France, à savoir qu'on incarne plus une sorte de super premier ministre qu'un président de la République. Donc le jeu se dispatche en un tableau comme ça, donc vous voyez c'est pas très entertainment, hein. Si vous vouliez de l'action, faudrait aller sur une autre chaîne YouTube, parce que pour l'instant j'ai pas encore prévu de faire des jeux qui bougent trop, je vais y aller tranquillement aussi pour avoir le temps d'apprendre à commenter un jeu vidéo. Du coup, le tableau se divise de la façon suivante, avec là tout ce qui est aspect impôts, là tout ce qui est aspect recherche, doctrine et éducation. Ici tout ce qui est sécurité, drogue, terrorisme, là tout ce qui est transport et là tout ce qui est relations étrangères, d'accord. Ici on voit le taux de satisfaction des grands groupes, sachant qu'une personne peut être dans plusieurs groupes à la fois, un citoyen peut être dans plusieurs groupes à la fois, et là il y a ma popularité. Donc là ici en haut j'ai mon capital politique, c'est-à-dire que à chaque tour, hein, pour passer au tour suivant j'appuierai sur Next, à chaque tour en fait ce qui se passe c'est que j'ai un nombre de points à dépenser pour faire des réformes ou voter des lois ou gérer le budget. Ici bien entendu j'ai les revenus, les dépenses, pour l'instant je suis en déficit et je démarre avec une dette. Voilà, de 674 millions d'euros, en gros. Ce qui est pas rien. Hein. Là, j'ai un rapport sur la sécurité, là, des sondages d'opinion, données financières. Là, je vais pouvoir mettre en place de nouvelles réformes. J'aime pas le mot réforme, mais c'est pas génial le mot réforme. Mais je vais pouvoir mettre en place de nouvelles réformes quand même. En général, réforme, c'est quand on dit la réforme, en réalité ça veut dire toujours plus de libéralisme, donc c'est pas super comme mot. Là, c'est les succès, ouais, bon, d'accord. Et là, c'est mon cabinet de ministres, donc j'ai différents ministres qui, selon la ligne politique que j'ai, d'ailleurs que j'ai déterminé en début de partie et que j'ai pas modifié, selon la ligne politique que j'ai, seront plus ou moins contents. Voilà, donc j'ai démarré avec une ligne politique assez neutre, hein. Pour cette première partie, j'ai fait une ligne politique assez centriste. Pourquoi ? Parce que l'UPR n'est ni de droite ni de gauche, elle est classée dans les divers. Le problème étant qu'en général, les centristes sont pro-UE et sont pro-libéraux, sont quand même plus à droite qu'à gauche. Bon, passons. Donc, sur ce premier tour, eh bien, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai un capital, j'ai des revenus qui sont pas trop mal. Je vais les laisser telles quelles. Je vais peut-être faire une réforme du coup. Alors comme réforme, je vais en mettre une en économie pour commencer, car je suis en léger déficit. Et comme réforme, je vais mettre quelque chose qui me rapporterait de l'argent de préférence. Allègements fiscaux, certainement pas. Vaudra mieux que je mette des impôts.
Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Loi et ordre. Police communautaire. Légaliser la prostitution. Ah bon, moi ça ferait baisser le chômage. Drone. Je sais pas si l'UPR serait content que j'utilise leur nom sur un let's play et que je mette légaliser la prostitution. Mais je ne pourrais pas sortir de lieu dans ce let's play. Taxe d'habitation. Impôts reçus des maisons de luxe. Ça rapporte pas mal quand même. Bon allez, je vais mettre ça. Voilà. Taxe d'habitation. Et je vais en mettre une. Putain, ça me coûte plus cher que ce que ça me rapporte. La blague? Non. Ah non, 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 c'est bon. Ah putain, non, j'ai eu peur. Bon, j'ai pas besoin d'une grosse taxe d'habitation, hein. Voilà, appliquée. Voilà. Tour suivant, parce que j'ai plus de capital. Donc à la fin de chaque tour, normalement, je vais avoir un résumé. Que voilà. Donc, interaction des mines terrestres. Une société d'ingénierie dans votre pays vient de remporter un contrat pour fabriquer et fournir des mines terrestres pour les pays étrangers. Pour ce moment, il n'y a pas de loi qui interdit à la compagnie de faire des produits, mais il existe un large débat public. Nous devrions interdire au sein de nos frontières. Tant de morts civiles, il n'est pas envisageable que nous tolérons la fabrication de ces armes. Tout cela coûtera des emplois. Non, bah ça va coûter des emplois et que j'ai pas envie de me focaliser là-dessus pour l'instant. Je vais me focaliser plus sur mon pays à moi. Et pas sur les pays étrangers. Hein. C'est assez compliqué comme ça de gérer son propre pays. On va exporter des armes. C'est pas un problème. Je vais continuer avec une réforme d'ailleurs avec service militaire. Tests et citoyenneté sont une façon de s'assurer que les gens qui migrent dans notre pays ont une meilleure compréhension de notre culture et de notre histoire. Capital insuffisant. Service national nous permettrait d'avoir une armée mieux entraînée. Souvent, c'est de rentrer des gens à prendre les armes. Ouais, non. Moi, je vais plutôt mettre des droits de douane. Hein, voilà. Ouais, je rétablis les frontières. Ça veut pas dire que je les ferme. Ça veut juste dire que je mets des droits de douane faibles, mais quand même. Voilà, j'en mets. Ça rapporte un peu d'argent. Appliqué. Voilà. Alors ensuite, il y a des points rouges, comme vous pouvez voir. Ces points rouges correspondent à ce qui va pas. Les points bleus correspondent à ce qui va. Et les points rouges, je ne peux les modifier qu'avec les points blancs, les ronds blancs. Donc là, qu'est-ce qui va pas? Le crime organisé, qu'est-ce qui peut lutter contre le crime organisé? On voit qu'il y a un vecteur rouge qui va lutter contre. Donc c'est essentiellement les services secrets. Voilà. Eh bien, je vais mettre une agence avec un bon service d'espionnage. Peut-être pas à fond pour l'instant. Voilà, et je vais continuer au tour suivant. Hop! Nommer un ambassadeur à l'ONU. A pris sa retraite, tatati-tatata. Alors, je vais sélectionner une patriote, tout simplement, parce que... D'ailleurs, c'est complètement con, je trouve, de différencier patriote et internationaliste. Hein. Les chevènementistes sont internationalistes, ils en sont pas moins patriotes. Arnaud Montebourg est nationaliste, il en est pas moins patriote. Et internationaliste, oui, pardon, il en est pas moins patriote. Voilà, donc c'est un jeu qui simplifie beaucoup les choses, mais c'est pas grave. Allez, hop, jeune homme, celle avec qui défendra les intérêts du pays et pas les intérêts des autres pays. Alors j'ai d'autres trucs. Par exemple, une notation des agences de notation, BBB, elle est inquiétante parce que je dois avoir plus de dépenses que de revenus. Ben non, même pas. En plus, j'ai de la marge. Voilà, quitter le tutoriel. Ah là, j'ai des sondages. Bon, super. Pour l'instant, je m'en moque un peu des sondages. Je voulais voir le bulletin trimestriel, moi, encore. Voilà. Rapport des sondages, 87%. Donc là, truc complètement surréaliste. Après mon élection, je gagne en popularité. Normalement, dans la vraie vie, hein, c'est juste tout l'inverse.
Rapport du cabinet, ça je m'en fous. Et j'aurai des... Si je fais trop de conneries, il y aura des gens qui vont tenter de m'assassiner. Du moins dans ces groupes-là, là, ceux du bas, pas ceux du haut. Voilà. Donc il est impératif aussi que je fasse gaffe à ça et que j'ai des services d'enseignement dignes de ce nom. Je vais augmenter mon capital, donc je vais passer au tour suivant sans faire plus de... Ah non, je pourrais faire plus de réformes, remarque. Succès. Ça, c'est mes anciens succès de d'autres parties. C'est pas grave. Donc, j'en étais où ? Réforme. Réforme, j'ai envie de mettre un ministère des fraudes sociales. Voilà, mettre en place et... voilà. Et à fond le truc. Voilà, moi je veux pas de fraude, je veux que ça soit mis à fond. Et je veux qu'on surveille ça, il n'y aura pas d'évasion fiscale chez moi. Next. Alors, attaquer. Donc je vais augmenter mon armée en conséquence, hein, puisque a priori, un de mes oléoducs a été attaqué. La France a des oléoducs. Hausse des cotes de crédit. Ah oui, donc ça c'est mes taux d'intérêt quand j'emprunte qui baissent. En même temps, j'ai plus tellement besoin d'emprunter puisque je ne suis plus en déficit. Donc, super. Mondial se porte bien. Ok, continuez. Je vais continuer, je vais mettre d'autres réformes. Aide sociale. Ce qu'on va faire, on va mettre une aide pour les loyers. Ouais, mais ça coûte une blinde, ça. Ça coûte juste une blinde. Subvention sur les biocarburants, je suis pas fan. Limiter les gaz d'échappement, en revanche, avec des tests complètement pipeau, pourquoi pas. On fera un petit scandale Volkswagen comme ça dans quelques années. Ça me coûte de l'argent quand même, hein, cette connerie. Temps de mis en place, 5 trimestres. Et en plus, c'est même pas populaire. Fait chier. Loi et ordre, police armée, coût potentiel, revenu potentiel aucun, couvre-feu, police communautaire, peine de mort, mettre en place la peine de mort. Pour les crimes les plus graves, c'est pas très populaire. Enfin, aujourd'hui ça serait populaire, puisque depuis quelques temps, pour la première fois, depuis pas mal d'années, une majorité de Français semble être favorable à la peine de mort. C'est pas du tout mon cas. Détention sans procès permet des suspects même s'ils sont pas suffisamment de preuves. Ouais, c'est pas génial. Temps de mise en place, coût potentiel aucun. Loi et ordre, quartier résidentiel privé, censure d'internet, non, mise sur écoute. Ça coûte cher tout ça. Service public, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? École polytechnique. Alors ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On va former des putains de technocrates qui servent à rien. Allez, go. Prière scolaire. Pourquoi pas. École polytechnique. Mettre en place. En médium, oui. Ça coûte déjà assez cher comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a que de l'évolution à l'école. Il n'y a pas de créationnisme pendant que j'y suis. Oui, voilà. Allez, tour suivant. Hop là. Je n'ai plus de sans-abri. C'est cool, j'ai jamais rien fait. Il s'agit d'une question politique urgente. Il faut nous un remplaçant parmi les candidats. Dirigera les tribunaux pour de nombreuses années. Ok. Des droits de l'homme, en instaurant plusieurs lois manquantes pour protéger la droite. Il est aussi vu comme un défenseur des consommateurs. Ok. Et l'autre ? Ouais, bah non, je vais prendre Rémi André, voilà. Et bah voilà, je crois que c'est tout, on va continuer. C'est quoi ça ? Taxe d'habitation. Non, on va d'abord essayer de régler les problèmes qui posent problème. Taxe de douane, c'est contre mon économie, oui, mais je le garde, ça me fait de l'argent. Ce qu'on peut faire, consommation d'alcool, on peut gérer une loi sur l'alcool qui passera ça à 21 ans, comme ça les jeunes buvront moins et je vais gagner en productivité.
Hein, voilà, de toute façon, c'est pas s'il y a une loi que ça va les arrêter, mais c'est pas grave. Et en termes de productivité, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Loi sur le travail, c'est pas ce qui est le plus important en termes de cause. Hein. C'est dingue que ce soit l'alcool qui soit plus important que les quelques lois sur le travail que j'ai pu mettre. En termes de santé, eh ben, écoutez, je vais augmenter la santé. Hop. Santé, qu'est-ce que je peux faire pour la santé? Soins de santé privés. Usage du tabac. Non. Non, 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 non. On va passer par la santé, par là. Service de santé de l'État. Je voudrais service de santé privé, c'est où? Loi sur l'avortement. Alors, je vais recommencer, c'est pas grave. Productivité, santé. Santé privée. Ah bah si, c'est service d'État. Ben, j'ai envie de mettre un excellent service système de santé. Hein. Voilà. Ça sera toujours ça de fait. En revanche, c'est bon, je suis toujours plus qu'à l'équilibre, donc je vais rester comme ça. Hop. Voilà. J'ai toujours des taux d'intérêt qui sont bons. Et je continue. Les agences de notation sont contentes. Je vais peut-être arriver à avoir du triple A, qui sait? Ce serait bien une première. On va mettre en place une réforme. Une réforme économie, subvention énergie propre, droit du consommateur. Alors, au minimum, l'État garantit de ne pas être au consommateur de ne pas être arnaqué. Ouais, je suis pas fan. Subvention, programme spatial. C'est chiant parce qu'en fait, tous ces trucs sur l'économie ne rapportent pas d'argent. Quota divers pour la compète. Non. Non, 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 non. Eh ben, je vais mettre des taxes. Hein, on va mettre des taxes. Alors, plus que sur l'alcool, je préférais sur le tabac. Est-ce que c'est possible? Taxe sur le tabac. Capital insuffisant. Eh ben, je vais attendre et je vais foutre des taxes sur le tabac. Hop. Effondrement des marchés. Merde, une crise mondiale. Bon, bah, fait chier. Mais à chaque fois, à chaque partie, de toute façon, il y a une crise mondiale. Hein. C'est la fête, c'est la fiesta. C'est la grosse fiesta. Est-ce que je peux mettre en place ma réforme de taxe sur le tabac au moins, ou pas? Hein? Ouais, je peux. Bon, super. Alors, c'est pas populaire du tout. Malgré la tendance des compagnies de tabac à l'admettre, il a été démontré que le tabagisme a bien des effets négatifs sur la santé. Cette taxe serait donc justifiée. Les opposants font remarquer que le gouvernement profitait déjà énormément de taxes sur ce produit, pour lequel ils sont censés être férocement opposés. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, taxe sur le tabac. Appliqué. Très bien. Très bien, très bien. C'est quoi ça? C'est le taser? Ouais, j'ai besoin de taser. Pour l'instant, j'ai un budget qui est nickel. On va essayer de se faire un max de fric au début parce que à la première crise économique, en fait, c'est super difficile. Voilà. Là, je vais avoir mes taux d'intérêt à cause de la crise mondiale. Mes taux d'intérêt qui vont augmenter, c'est bien chiant comme il faut. L'économie mondiale est en récession, donc j'aurai forcément un effet négatif sur mon PIB. Donc je vais devoir faire une politique. Alors le problème c'est que c'est un jeu qui a des réflexions assez de droite. C'est-à-dire que dans l'idéal, là, ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est dévaluer ma monnaie. Mais je pense pas que ce soit possible. Hein, dans économie, je peux pas dévaluer ma monnaie. Allègements fiscaux, subventions, nanana. Voilà, politique extérieure, non. Transport, loi et interdit. Je peux pas. Je peux pas, donc je vais devoir faire une politique déflationniste, hein, comme le gouvernement fait à l'heure actuelle. Et comme les algorithmes du jeu bah, sont un peu cons, bah, ça va marcher. Contrôle de la pollution, non. Loi du travail. Eh bien. Bam! Voilà. Je fais un truc contre la loi du travail. Une sorte pas de CICE, mais j'attaque le code du travail, quoi. Je fais comme Pujadas, je le sors sur le bureau et je dis que c'est l'un des plus gros d'Europe. Alors que c'est Pipo, c'est juste l'un des plus fins. C'est juste la jurisprudence en revanche qui prend de la place. Merde, j'ai moins de revenus que de dépenses. Ah, fait chier.
J'ai fait chier, fait chier, fait chier. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. On va voir ce que ça donne au prochain tour. Hop. Liberté de la presse. Il y a des demandes pour une loi appuyant la possibilité de stocker des données pour les citoyens à leur insu. Oui, bah c'est la loi renseignement, quoi. Donc on va rejeter la proposition. On n'a pas besoin de ça. Ça sert à rien, la loi renseignement. Mais vraiment à rien du tout. À rien du tout. Subvention agricole, je laisse. Congé maternité, je laisse. Bon, alors j'ai un problème. Ma productivité est vraiment pas bonne. Mais je peux l'augmenter avec l'éducation. C'est ce que je vais faire. Tant pis. Ça va me coûter une blinde. École polytechnique, non. École publique. Alors, ordinateur portable. Il y aurait tout un débat, hein, comme quoi les ordinateurs portables sont ce qui permet d'augmenter les qualités de l'éducation, hein, c'est-à-dire l'arrivée du numérique dans l'éducation nationale. C'est complètement pipeau, d'ailleurs, les grands patrons d'entreprises dans la Silicon Valley payent très cher pour mettre leurs enfants dans des écoles sans numérique, sans ordinateur, sans tablette, sans rien, puisque en réalité, ça nuit plus aux capacités de concentration qu'autre chose. Mais bon, là encore c'est le jeu, donc j'applique, oui, j'utilise mon capital pour ça. Et pareil au niveau université, hein, on va bourse universitaire pour tout le monde. Voilà, comme ça on aura des diplômes universitaires qui ne vaudront plus rien. Je compte, c'est ironique, hein, bien sûr, enfin non, c'est vrai, mais du coup, bref. Alors, tour suivant, répercussions médiatiques. Les médias sont pas contents, pourquoi ils sont pas contents? Les analystes politiques pensent que les propriétaires de journaux capitalistes sont en colère derrière ce mouvement. Oui, bah c'est comme si l'opinion faisait un mauvais article sur Mélenchon président. Ah cool, mes taux d'intérêt diminuent, ça je suis content. Ça je suis content, bah oui, bah, c'est parce que j'ai plus de revenus que de dépenses. Bon, très bien. Ça c'est parce que j'ai modifié le contrôle du travail. Alors, OGM. Un nombre important de grandes entreprises agricoles sont intéressées par la culture d'OGM sur notre territoire. Certains aliments peuvent être génétiquement modifiés pour permettre une plus grande durée de conservation ainsi qu'une résistance accrue aux maladies et aux herbicides. Ce qui est complètement faux. Là encore, je crois que c'est en Uruguay, ils sont mis à arrêter la culture d'OGM et ils ont eu des récoltes records. Alors, non, je vais interdire la truc d'OGM. Je vais interdire. Parce que voilà, rien à foutre. Et je vais continuer. C'est quoi ça, le yin et le yang, l'antidiscrimination? Ouais. Pour l'instant, j'ai un revenu qui est bon. Ok, donc next. Alors, interdire l'importation de bétail. Annonce typiquement un cas de fièvre aphteuse dans son cheptel bovin, dans un pays voisin. Donc si je rejette l'importation, qu'est-ce qui se passe? Ces décisions sont impopulaires à l'étranger. Un protectionnisme flagrant. Oui, mais je suis protectionniste. Moi, je suis gaulliste de gauche, donc je suis protectionniste. Attends, je comprends pas. Interdire. Oui, rejeter l'interdiction. Je comprends pas. Yeah. Oui, non, d'accord. Oui, bah, je vais faire du... J'approuve l'interdiction. Désolé, les gars, mais bref. Je vais faire quoi comme réforme? Bah, du coup, j'ai un peu d'argent en plus. Donc, en termes d'économie, je vais faire des subventions à subventions aux petites entreprises, je pense. Mettre en place... ou au développement rural. La pauvreté et chômage ont augmenté en 6 niveaux. Ouais, on va. Moi, je suis bien tenté pour le développement rural, qui est d'ailleurs en théorie le premier lieu, de vote FN, du moins dans le périurbain. Hein. C'est les études de Christophe Guilluy qui montrent ça. Interdire le travail dominical. Alors, outre la religion chrétienne, je m'en fous, mais ça m'intéresse quand même. Développement rural, mettre en place. Ok, il me reste du capital, économie, aide sociale. Non, c'est dans quoi?
Politique extérieure, service public, voyante. C'était où? Économie, travail dominical, où est-ce que je l'interdis? Ah, c'était là. Bon, bah tant pis. Trait d'union, restriction, c'est quoi ça? Modern time. Ah, faudra que je le mette ça. Ça, je le mettrai. C'est du protectionnisme, je crois que c'est contre le libre-échange en fait. Découverte scientifique, ça valait le coup. Allez, je continue. Mais je vois que je suis à mi-mandat. Je suis à mi-mandat. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la fin de ce premier mandat, en espérant que ce petit let's play vous plaît. Voilà, je n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager évidemment. Je vais pas tarder à me lancer sur les réseaux sociaux. Normalement, il y a une page Facebook dont je mets le lien dans la description. Et je ferai plus tard des montages vidéo plus sympas pour mettre tous les liens en place. Allez, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie du mandat. Salut les amis!